Bien, alors je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait fait un élixir de fleurs de Bac pour moi. Eh bien, je vous laisse donc avec Philippe qui va vous expliquer comment on prépare ça. Voilà. Allez, merci. Voilà. Alors, dans un premier temps, la personne qui souhaite se faire préparer un complexe floral, en fleur de Bac, qui soit personnalisé, va déjà travailler sur le repérage des fleurs qui vont lui être utiles. Donc, en l'occurrence, ici, on va sélectionner quatre fleurs. Alors, je vais utiliser, je vais montrer. Donc là, moi, j'ai un set complet avec les 38 fleurs hein, de la gamme des élixirs floraux. Et je vais déjà sortir les 4 élixirs que nous avons sélectionnés. Alors, 1, 2, 3, hop, voilà. Donc, je sors ces deux-là. Le numéro, voilà, ici. Et le dernier qui est. Il s'appelle comment? Oui, je disais pas les noms juste pour rester quand même discret, mais enfin bon, c'est pas plus Non, c'est gênant que pas grave. ça. Non, c'est vrai que c'est pas plus gênant que Vous ça. voulez dire. Alors, j'ai la fleur numéro 4, donc c'est Santori. J'ai la fleur numéro 5, c'est Serrato. J'ai la fleur numéro 7, c'est Chestnut Bud. Et la numéro 35, c'est White Chestnut, le marronnier blanc. Alors, il faut savoir que dans le commerce, chaque élixir est vendu à hauteur d'une dizaine d'euros. Hein. Donc, du coup, bah, si jamais Aurélien avait dû investir dans quatre élixirs, ça lui aurait fait quand même un coût financier un petit peu quand même conséquent. En sachant que il arrive par moment que certaines fleurs, on va les utiliser, on va utiliser seulement quelques gouttes pendant une semaine, et puis après peut-être qu'on va plus en avoir besoin pendant un certain temps. Donc c'est quand même plus intéressant de se faire préparer un complexe floral personnalisé. Donc comment je procède? Donc là j'ai un flacon de 30 millilitres avec une fermeture qui est sécurisée, hein, c'est-à-dire qu'une fois que le flacon est fermé, il y a une bague donc qui vient sécuriser la fermeture. Et je vais donc, hop, voilà. Alors, je vais prendre chaque élixir floral, je le redynamise un petit peu et je vais mettre quelques gouttes, alors j'en mets 3-4, hein, 3-4 gouttes de chaque élixir floral. Quelques gouttes suffisent hein, pour agir. Et je vais procéder comme ça, donc avec les 4 élixirs floraux. Voilà, pour le deuxième, le quatrième. Alors, c'est vrai que quand je prépare un élixir floral, il faut aussi que moi-même, hein, je sois dans un état d'apaisement conséquent, hein, parce que si jamais je prépare un élixir floral puis que je suis sous tension, effectivement, je risque de transmettre aussi ces tensions à cette préparation. Alors là aussi, je remets mes 4. Et puis, le dernier, donc Chestnut Bud. Alors, une fois que j'ai mis les extraits de chaque élixir floral, donc je vais prendre une eau de source et je vais venir remplir donc mon flacon. L'eau, c'est juste une eau de source, c'est pas une eau minérale. Voilà, c'est une eau de source. D'accord.
Alors, on fait attention de ne pas le remplir au ras-bord parce que après, il y a le Ouais, la bouchon, pipette, ouais. voilà. Hop. Alors, tout ça, hein, ça doit se faire vraiment dans une ambiance très sereine. Tout ça, c'est de l'information vibratoire hein, qui circule. Voilà, normalement, c'est bon. Et ensuite, hop, voilà, je peux venir fermer. Hop, et là, tac, c'est bon. C'est scellé, ça bouge plus. Et donc, je vais mettre une étiquette. Voilà, donc je mets l'étiquette, hop, j'essaie qu'on voit bien, qui correspond aux différentes fleurs qui sont dans ce flacon. Alors l'étiquette, c'est toujours un exercice d'équilibre, hein, pour qu'elle soit bien droite quand même. Voilà, hein, ah ouais, ça c'est... Ça, c'est pas un truc pour moi, Alors ça c'est peut-être la partie la plus délicate pour moi, c'est de coller l'étiquette droite. Alors non, en fait, là, elle est même pas... Légèrement. Hop. Alors, je vais la carrément la poser. Voilà. Et je pense que là, voilà, c'est mieux. Voilà. Voilà. Et donc là, le flacon est prêt à être expédié. Alors, pour la prise aussi. Alors, c'est important. Alors, je vais vous montrer avec un autre flacon. Donc, je m'éclipse 2 minutes, mais juste le temps d'aller chercher mon flacon. Voilà, pour expliquer la prise. Alors, la prise, ça, c'est un flacon que je me suis préparé pour moi. Alors, la prise, l'idée, c'est de prendre 4 gouttes 4 fois par jour. Quatre Hein? gouttes, quatre fois par jour. Voilà. Hein? D'accord. Alors, Attendez, ça, je reviens dans l'écran. voilà, ça, Hein. c'est le minimum. Alors, il y a plusieurs manières hein, de prendre son complexe floral. On peut prendre les gouttes directement sous la langue, hein, comme ça. Un. Alors, je laisse quelques instants. Je porte aussi, bien sûr, à ma conscience le pourquoi je prends mon complexe floral. Donc, on peut renouveler cette opération 4 fois par jour. Autre solution, bon, là, je ne vais pas me rééclipser, mais on peut, si par exemple, au cours de la journée, on prend un café, un verre d'eau, un jus de fruits, et bien à ce moment-là, on prend notre complexe. Et puis on se met 2-3 gouttes dedans. Ah d'accord. Voilà. Ce qui compte, c'est que après, on puisse boire sa boisson par petites gorgées. Donc au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Ce qui permet comme ça de bénéficier de l'apport des informations qui sont contenues dans le complexe. Eh bien, ça nous permet de bénéficier de cet apport d'informations de manière régulière tout au long de la journée. Hein. D'accord. 4 fois, 4 gouttes 4 fois par jour, c'est vraiment le minimum. Le Voilà, minimum. Ah c'est le oui, minimum. d'accord. Mais au début, les premiers jours, en général, on peut ressentir ce besoin, bah justement, voilà, dès qu'on prend un café, un verre d'eau, etc., de remettre quelques gouttes dedans. Hein, voilà. D'accord. Voilà, c'est en général ce qui se passe au début de la prise. Et puis, au fur et à mesure des jours, à un moment donné, peut-être d'ailleurs que tu vas te rendre compte que, ah, te dire, tiens, mais là, je viens de boire un verre d'eau ou un café, et puis finalement, j'ai pas pensé à mettre mes 3-4 gouttes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça veut dire que le D'accord. besoin se fait moins ressentir. D'accord, ok. Mais bon, il est important de continuer hein, pendant, voilà, pendant toute la D'accord. durée du flacon. Hein. Là, un flacon enfin, comme ça, plutôt, il y en a pour une bonne quinzaine de jours. Hein. D'accord. Oui. Donc d'ici une quinzaine de jours, on refera le point Voilà. sur ce qui se passe pour moi. C'est Voilà. ça. Hein. C'est ça. Et alors, comme vous savez que j'aime bien être très clair, j'aimerais aussi donc vous dire ce que je vais travailler en prenant cet élixir. Alors, si on est bien d'accord, hein, donc d'un côté, je vais travailler sur le fait de ne pas savoir dire non.
hein, D'être en difficulté d'être en à ce difficulté niveau-là. pour dire non. Voilà. La deuxième chose, j'ai toujours tendance à chercher à avoir à me faire valider Les idées, enfin voilà, c'est toujours chercher finalement conseil auprès des auprès autres. des autres. Hein, Voilà. hein. Et en général, les autres ne sont pas forcément les meilleures personnes qui soient. Voilà, parce que sinon, ça serait trop facile. Voilà. Donc ça aussi, donc c'est aussi un travail que je vais accomplir avec cette petite cet élixir. Et puis l'incapacité aussi à apprendre de mes erreurs. Voilà, c'est un sujet aussi qui me travaille beaucoup. Et puis en dernier, avoir donc vous savez, je vous parle souvent de mes rêves depuis quelque temps. Je vous disais que c'était la nuit, c'était très compliqué. Et puis le matin, j'avais des difficultés. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une espèce de rumination mentale. Et donc, eh ben, je vais aussi travailler là-dessus. Voilà, donc quatre points, quatre gouttes, quatre points sur lesquels je vais pouvoir travailler au travers des fleurs de Bac. Je ne dis pas que je fais que ça, mais en l'occurrence, aussi, je vais essayer de me faire aider dans ce sens-là. Voilà. Et puis, dans 15 jours, eh ben, on en reparlera. Tout à fait. Et puis, on verra bon, comment on fait une vidéo, si on se revoit, si on ne se revoit pas. Bon, c'est vrai, je ne peux pas venir tous les 15 jours à Vézelay, Par Skype. mais bon, voilà, on verra comment ça se passe. Voilà. Alors, une dernière chose, je ne sais pas, on est à combien là? On est à 11 minutes. Oui, quand même. Une dernière chose que j'aimerais que tu expliques, si tu penses que c'est possible, c'est comment on fait ces fleurs de Bac. Ce que tu m'as Ah expliqué oui, tout à l'heure. Comment alors, on... de manière Succincte, voilà, voilà, de de manière manière... très Voilà. succincte, comment se préparent donc les fleurs de Bac? Alors il faut savoir que les fleurs de Bac que moi j'utilise auprès de ma clientèle, ce sont des fleurs de Bac qui sont préparées avec un protocole dans le cadre d'un laboratoire, avec des agréments de l'agriculture biologique, etc., écocert, etc. Le principe de base, c'est on choisit donc une fleur. Et on va se présenter donc devant la fleur le matin dans les premières heures, enfin aux premières heures donc du soleil. On a notre bol, on a un bol donc en verre transparent. On le remplit à moitié donc avec une eau de source toujours. Et puis on va donc recouvrir toute cette surface d'eau avec la fleur qu'on a choisi de préparer. Et ensuite cette préparation, on va la laisser en plein soleil pendant 3 à 4 heures. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que pour que la préparation soit réussie, il faut qu'il y ait aussi donc ce soleil en continu pendant 3 à 4 heures. Si au bout d'une heure ou deux, il y a un nuage qui passe, eh bien la préparation est fichue, quoi. Voilà. Hein, donc on ne peut pas l'utiliser. Hein, voilà. D'accord. Bon, ben voilà. Donc c'était succinct, mais Oui. bon, ça permet de se rendre compte un petit peu du travail lié à ça. On fera peut-être quelque chose Une plus vidéo tard. peut-être plus complète pendant l'été, où là, je Voilà. proposerai peut-être une vidéo un peu plus élaborée quand même, où pour vraiment se rendre compte que à travers, enfin, quand on prépare une fleur de Bac, il y a vraiment enfin, des propriétés qui sont, eh bien, qui, comment je vais dire, enfin, c'est-à-dire qu'on recherche à faire ressortir les propriétés des fleurs de Bac, enfin, des D'accord. fleurs qu'on utilise. D'accord. Voilà. Donc, bah, bonne journée. Voilà. Je vais poster cette vidéo aujourd'hui aussi, je pense. Comme ça sera la Merci. suite de celle qu'on a fait tout à l'heure. Et puis, comme on est dans le même décor, hein, bon, pas dans la même position dans la pièce, mais dans le même décor, autant tout faire en même temps. Voilà. Je vous dis donc à demain, peut-être. Enfin, bon, voilà. Voilà. Dans les jours à venir, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Encore bonne journée. Ça.